Soyez un leader dans tout ce que vous faites. Faites preuve d'initiative. Faites constamment preuve d'initiative. Et c'est tout l'intérêt de faire un programme au leadership et de développer votre conscience de vous-même, votre développement personnel, votre croissance personnelle, votre leadership, votre entrepreneurship sont vos meilleurs amis pour la vie. Et si pour 2021, on investissait au lieu de dépenser pour mieux savoir et mieux être. Waouh ! Et augmenter notre valeur. Et votre leadership, c'est ça. Faites preuve d'initiative. Je vous l'ai dit, il y a trop d'employés qui attendent des instructions. Si tu es un employé en ce moment, que tu es en train de pleurer parce que c'est toujours les autres qui ont des avancements et pas toi, et que ce contexte-là s'est reproduit dans plusieurs entreprises, tu vois bien que c'est toi le problème. Les gens attendent des instructions constamment. C'est épuisant. Et je parle notamment des salariés. Les salariés, vous attendez trop, pour beaucoup d'entre vous, des instructions. J'ai entendu souvent, dans mes formations, des salariés qui me disaient « c'est la première fois que je participe au programme Starter cette année, au Weekend Spark, etc. » Et ils me disaient « mais j'étais intimement convaincu que je n'avais pas de chance avant. Mais je réalise que c'est aujourd'hui mon comportement qui était à l'origine de tout cela. » Donc faites preuve d'initiative. Et à ce moment-là, ils réalisaient qu'ils avaient les mêmes comportements avec des gens différents. Et la façon dont vous vous comportez va attirer le comportement des autres à votre égard. La façon dont on vous regarde est souvent conforme à la façon dont vous vous regardez vous-même. La façon dont vous vous aimez va correspondre quasiment à ce que vous allez recevoir. Et si tu te détestes, tu sais ce que tu vas recevoir. Donc pensez à cela. L'initiative, c'est le domaine du leader. L'initiative, c'est votre meilleur ami. Alors vous vous dites peut-être, mais Franck, je ne suis pas un leader. On est tous des leaders. Un leader, ce n'est pas forcément diriger 6000 personnes. Come on ! Un leader, c'est savoir diriger sa propre vie.